changement de rediff. Hein, la rediff d'avant, où j'ai passé une heure sur le boss. Eh bah, va pas te passer parce que ça va être de la merde. Et du coup, bah, je tryhard, je tryhard, je tryhard. On s'amuse tellement contre ce putain de boss de merde d'enculé. Un coup c'est l'œil derrière, un coup c'est l'œil devant. Et un coup c'est cette griffe de putain de merde. Griffe de merde, griffe de merde. Un coup de... Peut-être faudrait que je l'esquive toujours à sa gauche. Enfin, à sa droite, plutôt.
arrivé, je me serais pas fait toucher dès le début. J'aurais enculé. J'ai des moments, ça merde. Il y a des moments, j'ai du skill. Et quand il y a les deux mélangés, bah. Il manque toujours le petit truc des fois. Mais t'as vu, mais maintenant, mes grenades, ils sont décidés de m'enculer. Tu sais quoi? Les grenades, je les garde pour la fin. Infraction de classe A débutée. Laboratoire. Antenne jusqu'à neutralisation de la cible. Ouais, quand même, t'as, vous avez vu tout à l'heure comment j'ai esquivé le truc Je sais pas comment j'ai fait. Bon, enfin, je sais, juste derrière. Et là, je suis en train de faire de la merde. Putain!
bon con, qu'est-ce qu'il a? C'est qui l'a niqué? Oh, j'ai eu plus de balles. Je vais oublier des balles ici. Ascenseur. Le service. Ah non. Opérationnel. Oh, c'était pas beau. Oh, c'était pas beau. Oh, c'était magnifique. Oh putain. J'allais dire, est-ce que j'en commence pas? Non. Putain, il me restait une balle d'acide. Après, j'étais dans la merde, mais absolue. Le jeu, il a vu que j'avais plus de balles, il s'est fait bon, allez. Mais t'as vu, j'ai alterné tac, deux balles de pistolet, tac, deux balles de pistolet. Je l'ai pas laissé m'approcher à ce coup-ci. Bon. Et là, je pars par un zombie. Oh là. J'ai oublié ce qui s'est passé, une cinématique, elle était morte ou c'est barré? Ah non, elle s'est barrée. J'espère que chérie va bien. Et pendant ce temps-là, Chris est en vacances en Europe. Non, God. Sur ma vie. Oh, sur ma vie. Oh. Ah. Mais elle était là, la cassette. Si je suis con. Ah, j'avais pas lu le doc. La personne a décidé de mettre fin à des recherches du G, mais dans l'abattoir souterrain de Nest, tous les équipements de financement du projet ont été coupés. Le directeur de l'abattoir, Liam Birkin, a été démis de sa fonction. Merci pour le message, Dr. Birkin. Nos supérieurs sont intéressés par l'arme biologique en l'évolution que vous mentionnez. Vous ne en faites pas pour le budget. Notre entreprise bénéficie des meilleurs financements des États-Unis. J'ai appris que la bonne nouvelle G est presque prêt. Je suis surpris. Vous avez omis d'en avertir l'abattoir de recherche de siège Umbrella, mais je vous en tiens par rigueur. Envoyez-nous les données, je vous en prie. Et ne vous en faites pas, vous avez fait du bon travail sur G. Nous occupons du reste. Normalement, oui, chérie. Ouais, oui, c'est ça. Vous êtes soupçonné d'avoir enfreint le contrat avec Umbrella Corporation. Nous avons la preuve que vous avez tenté de vous approprier le projet G et que vous entretenez des contacts illégaux avec l'armée américaine. Vous disposez de 24 heures pour vous présenter devant le comité d'enquête. Save. Y'a pas de save? Oh, c'est qu'un coffre objet. Bon. DUG en visuel. Ah ouais! Docteur Birkin, vous allez nous suivre calmement. Je savais bien que vous viendriez! C'est le travail de ma vie! Hors de question que je cède quoi que ce soit! Nous avons des ordres, Docteur Birkin. Je vous le demande encore une fois. Laissez-le! Putain, mais qu'est-ce qui t'a pris? On avait ordre de le ramener vivant! On est entré, mais on a eu un problème. La cible a résisté, on a dû l'abattre. C'est exact, monsieur. Bien compris. Juste les échantillons. Allez, on bouge. C'était moins épique que la scène originale.
plus, c'est con, je ramasse sa cassette, elle était juste là, le magnétoscope. Je suis teubé, moi. Mais... ça ressemblait à la zone finale du scénario A, tu vois. Mais... on est d'accord qu'il y avait une forme de chien. Quatre pattes. Si vous me dites que c'est pas fini. Parce qu'à la base, il y a un compte à rebours. Il y a... il y a un succès, tu le boss. Léna, je suis pas fou. Il y avait bien un succès. Tu le boss avant le temps à partir. Merde, pourquoi je viens là? Oh putain, oui. A besoin d'aide. Annette, j'arrive. Comment tu te sens? Ça va. Mais je m'inquiète pour toi. Prends spray. Chérie va s'en sortir. Elle sera faible encore un moment, mais... oui. Elle est guérie du virus G. T'as entendu? Oui, je suis guérie du virus G. Connasse. Même pas vrai en plus. On sait tous ce qu'elle devient dans Resident Evil 6. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a été attaquée par ce monstre. Non. T'en fais pas pour moi. Emmène ma fille en lieu sûr. Pardonne-moi, chérie. Pour tout ça, ta vie est tout ce qui importe. On ne peut pas la laisser ici. C'est vrai, on peut pas. Attention, retrait non autorisé d'un virus de niveau 4 détecté. Ça veut dire quoi? C'est le code d'autodestruction. Il s'active si le virus quitte le labo. T'aimais, tu sais. Il faut vraiment qu'on y aille. Allez. Tu avais raison, ta veste. J'ai de la chance de t'avoir. On parlera de tout ça plus tard. Il faut se dépêcher. Allez. Chérie. Tu peux marcher plus vite? Oui.
Je veux pas te presser, mais on doit y aller. Et là, la blague du jour, le tyran. Fichons vite le camp d'ici. Du coup, ça, c'est un ascenseur, du coup. C'était un ascenseur avant. Quand on sera sorti d'ici. De dos, on dirait trop Lara Croft. Non. Ah, ici je connais. Non, les gars. Ah, vous avez pas le droit de me faire ça. Non, vous avez pas le droit de me faire ça, les gars. Non, non, non. Blague, sérieux. Enfin une arme verte, putain. C'est louche, oh putain. Il y a un truc ici. Oh, tant pis. Évidemment, cette foutue porte est fermée. Attends. Chérie, qu'est-ce que tu... Je crois que je peux l'ouvrir de l'intérieur. Bordel, c'est franchement pas le moment. 10 minutes avant détonation. Prendre le truc. Vite, Claire. Dès que t'as tiré, il faut rester appuyé sur LT. Bien joué, chérie. On fait une bonne équipe. Ah.
tiens le coup? Je suis derrière toi. Continue comme ça. Je crois qu'on y est presque. Ah non, c'est bon. On peut peut-être utiliser ça. Ça vaut le coup d'essayer. L'ascenseur qui permet de descendre au labo. Extra. Qu'on va prendre. Que je fouille tout. Pour moi, on a tout ramassé. Ok, je viens de comprendre. Qu'est-ce que tu fais? Je dois démarrer ce train. Attends-moi juste ici, d'accord? Ok. Promis, je bouge pas. Bien. Sois prudente. T'inquiète. Fonctionne. Ah, je l'avais oublié, lui. Quoi? Léon? Toi aussi, tu es là? Ouais. Mais tout est sur le point de s'écrouler. Écoute, il faut que tu sortes de là. Vite! Je sais, j'ai un moyen de sortir. Je crois qu'on peut y arriver. Où es-tu, là? Claire, t'es toujours là? Léon? Désolé, je t'entends mal. T'en fais pas pour moi! Fiche le camp d'ici! Léon! Léon! Oh, merde! Non, sans déconner, je l'avais oublié! Oh. On a tout ramassé, ok. Cette forme-là, on la connaît, quoi. Eh, on dirait King Kong comme ça. J'ai trop peur de mourir.
À travers le wagon? Ouais, me pète les couilles, boss. C'est même plus un chien, c'est King Kong maintenant, sérieux. Bon, j'ai une technique. Est-ce que 400 balles, au moins, c'est suffisant pour le tuer? Ok. Ok. Ils n'auraient pas pu passer la sauvegarde avant le combat. Ah bah c'est ça que j'avais oublié tout à l'heure. Non mais tu sais, tu te dis, allez c'est fini tu vois. En plus le combat qu'on a fait juste avant, ça ressemblait trop à la zone du combat final quoi. Mais non. On doit créer une forme finale surprise. Attends, tout le monde rond et quand Chérie va ouvrir, économise. Comment ça? Attends. Ah oui! Non, mais ça me servait à rien donc. Ça l'est calmé depuis le début ce truc là! A noter, cette arme là avec l'air, c'est parfait pour les plantes. J'ai réussi. Oh. Bien joué, chérie. S'il y a rien, ouais. Merde. En fait, cette arme-là est cheatée et c'est qu'à la fin que je m'en rends compte. Chérie, tu tiens le coup? Je suis derrière toi. Continue comme ça. Je crois qu'on y est presque. Ça vaut le coup d'essayer. Ah non, de toute façon je vais le jeter. Ça sert à rien, je vais le jeter. Ah non mais ça c'est marrant ça. Ils remettent des herbes bleues qui servent pas. Qu'est-ce que tu fais? Je dois démarrer ce train. Attends-moi juste. Par contre, il y a un truc qui me titille. Le train est trop petit pour faire la vraie forme du boss final.
On est d'accord pour la strat. Ses yeux, ils étaient rouges, j'ai vu. Quoi qu'il se passe au deuxième saut, il se... Donc au deuxième saut, quoi qu'il se passe, ils font sur moi. Est-ce que je vais avoir cette balle, Lena, tu penses? Lena, est-ce que je vais avoir cette balle là? Sans déconner, ça commence à m'inquiéter là. L'œil.
c'est une blague. Blague? Non, là ça me fait pas rire du coup là. J'ai fait plus de balles. Je bute comment moi? Ah, j'ai pas envie de me reprendre la tête pendant une heure encore contre un boss, merde. Évidemment, cette foutue porte est fermée. Attends. Chérie, qu'est-ce que tu... Je crois que je peux... C'est que j'étais prêt à me le faire, le boss au couteau, si j'avais du temps. Oh non. C'est franchement pas le moment. Bien joué, chérie. Non mais je vais essayer de tirer de le plus près possible à la minigun. Hein. Parce que le fait que je sois à distance, peut-être que je rate trop les balles. Hein. Ouais, ça me sert à rien. Ça vaut le coup d'essayer.
enfoiré, mais ça c'est une blague ça. Et pourtant là je pouvais pas mieux viser hein. C'est une blague! Thank you.
Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire une fois dehors? Je veux voir ta maison. Ah. Ça tombe bien. J'ai besoin d'une douche. Ouais. Vraiment? À ce point? Ah oui. Claire! Léo! Je suis si contente! Je t'avais dit qu'on s'en sortirait. C'est vrai. On a réussi. On a putain de réussi, les gars. Coucou à Léla qui était là, qui m'a accompagné tout le long de la soirée, l'enfer. Active Energy, première fois que je te vois, bienvenue à toi. Bidjob qui est là. Après c'est des bots. Et Tanawi. J'ai réussi à finir ce putain de jeu. Mais attendez! Parce qu'à Claire, on a débloqué les scénarios BIS! Donc faut refaire tout le jeu! En hardcore, parce qu'on sait jamais, hein. Mon avis, il doit avoir succès. Finir le jeu en scénario BIS en hardcore. Donc faut que je refasse Léon en hardcore. Avec les mêmes boss que là. Attends. Ah merde! J'ai dû rater les French Voice. Merde, bon, tant pis. Donc, là, je vais refaire le jeu demain avec Léon. Là, le jeu, je le connais par cœur, ça va aller beaucoup mieux. Ah, mais je sais que c'est pas la vraie fin. Il nous manque le boss, le vrai boss final. La 5G. La G5. Je sais plus quoi. 5G ou c'est G5? Non, c'est G5. Il nous manque le G5. Parce que là, le virus G, il était pas encore mort. Oui, je spoil, hein. On le sait tous, dans Style 2, ça date de 98, le jeu. Voilà. Et du coup, t'as le combat derrière le train. Sauf qu'en scénario bis, on n'aura pas ce combat-là qu'on vient de faire. Je crois que Léna, le succès, c'est faire le boss. C'est un succès secret, faire le boss en moins de 5 minutes. Avant le timer des 5 minutes, non? Donc on va faire en mode facile, forcément. Non mais tu sais, j'adore quand même, Léon il arrive comme une fleur. Coucou, je suis là! Vous m'avez oublié! Donc il y a un boss, tu le dégommes minigun, et l'autre boss, tu vas le dégommer au lance-roquette. Non mais, fonction, le succès qu'on va tous rigoler ensemble, Léna, hein, et 14 000 pas.
Il y a un succès qu'on va faire. Faut faire le jeu en moins de 14 000 pas. Bon, moi je vais le dire. Hein. Le jeu, je vais le torcher la gueule et tout. À mort. Tu vois, tu vois Léna, moi j'aurais pensé que le plus galère ce serait le tyran. Je crois que j'ai eu zéro galère avec le tyran. Par contre, déception, il n'y a pas de musique marquante. Il n'y a aucune musique du jeu qui m'a marqué. Alors que Resident Evil 7... Attends, tu dois pas fonter... Oui. Non mais attends. Je te parle de la phase du commissariat quand il me poursuit. Moi je pensais que j'allais galérer à mort. Hein. Là, j'ai l'impression que j'ai eu une grosse purge de difficultés. J'en ai pris plein la gueule. Et alors que Resident Evil 7, quand j'ai fini le jeu, j'ai fait. Et t'avais l'intro, le générique et tout. Avec la musique. Get No Hell, je sais pas quoi. Là, j'étais en mode waouh. Alors que là, j'ai pas le waouh. À voir avec le scénario de Léon et le scénario bis. Et je sais qu'ils vont sortir un DLC où on remettre les musiques originaux. Et je pense qu'il y a de grandes chances que je fasse le jeu avec les musiques originaux. Parce que... Non, là pour le coup... Si, il y avait... Tu sais, en plus, il y avait le combat du phase finale qu'on a eu dans le labo, enfin la... Pas le nombre de morts, je suis déçu. Léna, on a débloqué les scénarios B. En fait, j'ai écouté, c'est Julien Chaise et tout, ouais, y a pas trop de trucs et tout. Y a un scénario B quand même. Enfin, c'est le scénario bis, du coup, on l'a débloqué que pour Léon. Vas-y, on va checker les bonus. Pour le plaisir. D'accord. Et en Raccoon City, mode survivant, compléter tous les défis, ok. Adam. Père, ouais. Compléter la campagne de Léon. Merde. Quatrième survivant, ok. Tu dis Zimio Fizia Pompe.
Ça arrive. Tu 10 ennemis avec un pistolet mitrailleur? J'ai tué si peu que ça des ennemis avec le pistolet mitrailleur? Tu es 5 ennemis avec le fusil électrique, bah du coup je les ai fait à la fin. Tu es 5 ennemis avec le lance-flamme chimique, bon ça c'est à Cléon. Tu es 2 ennemis avec une seule balle d'un seul tir de fusil à pompe, ok. Tu es 3 ennemis avec un coup d'arme secondaire, bon la grenade. Détruire le bras et les jambes d'un zombie, bon ça c'est avec le fusil à pompe qu'on se fait ça. Abattre un chien zombie ou un liqueur en l'air, ok. Forcer le tyran à se mettre à genoux à terre. Donc ça, c'est, ouais, c'est le tyran, ok. Immobiliser un Ivy en ne tirant que sur les bulbes. Ah, ça c'est les embryons, ok. En plein oeil, ça on sait pas. Les deux objets cachés grâce aux indices en photo. Putain, oui, ça c'est les dernières photos que j'ai pas trouvées. Agrandir l'inventaire au maximum, donc il me manque un truc. Ça se trouve, le dernier sacoche était là où Lena m'a empêché d'y aller. Au vu de la porte électronique de la cellule en 13 manipulations. Arme bonus, couteau à l'infini. Oh, oh putain, ouais. Ça va, c'est soit le normal, soit le hardcore. Je le ferai pas en hardcore, à moins de... Ce que ça veut dire, faut que je sauvegarde quasi jamais. Ça, c'est fait. Sans ouvrir le coffre, ça, c'est marrant aussi, ça. Compléter les jeux en moins de 4 heures, bon, c'est faisable. Juste tout fait. Ah, mais après tout ça, pas. Okay, concept art. J'ai pas fait gaffe aux variantes. Ouais. Ah, au final, le liqueur, on les a creusés qu'une fois. Dans le labo. Au fait, normalement tu vois toujours le visage de Bidule. Il est passé où son visage? Normalement dans... tu vois son... encore un bout de son visage dans sa poitrine. Ah, il est là. Le visage est passé là. T'as des bonus de merde.
Putain, c'est... Ah oui, faut finir le jeu en... Ah, en fait, le temps, c'est même pas le temps de sauver, le nombre de sauvegardes, c'est le... Le temps que tu fais le jeu. Putain, je sens trop les bonus qu'il faut faire en hardcore en rang A, quoi. Oh, putain, oui. La vraie tenue de Claire. Eh, excuse-moi. Eh, là, c'est la tenue qu'on avait dans le jeu. Ça, c'est la tenue dans style 2. Qui fait plus pute. Je sais pas quoi. Je sais pas comment te dire. Et cette tenue-là, comme ça, c'est mieux. Quel est le peur dans Violette. Je fais les derniers développés. Ouais. Du coup, la prochaine fois, on se fait quoi? On fait direct le scénario bis avec Léon? En plus, en vrai, si tu fais le clair A et Léon B, c'est censé être Léon qui ramène Chéri dans le train. Blessé. C'est celle-là? C'est là la veste à Kezel. Bon, allez, on va s'arrêter là. Je peux pas le tourner. Quoique peut-être dans les figurines. Non, j'ai même pas le modèle. Je peux pas le tourner. Mais bon, je te montrerai un jour.